Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un quiz spécial Halloween et j'ai deux invités, donc Brian et Virginie. Donc ils ont tous les deux une chaîne YouTube Harry Potter, donc celle de Brian c'est Vous savez qui et celle de Virginie 1904, donc je vous mets de toute manière leur chaîne en barre d'infos. Je leur ai préparé 12 questions pour Halloween qui vont s'affronter, donc voilà, ce sont que des questions autour d'Halloween. Et donc il y a une règle en fait, c'est que lorsque je vous pose la question, vous devez répondre un troll dans les cachots pour pouvoir en fait être le premier à répondre. Donc il faut dire un troll dans le cachot et ensuite vous avez le droit de répondre. Oh là. Super. On est parti pour la première question qui, je pense, est assez simple. Alors, en quelle année Lily et James Potter sont-ils morts? Un troll dans les cachots. 1981. Yes. Je suis nue pour les dates. Et donc, c'est quelle date? Le 31 octobre 1981. Voilà. Je serais trompée. Alors, donc on va maintenant passer à la seconde question. Quel est le véritable nom de Nick Cassis en tête? Un troll dans les cachots. Sir Nicolas. Ah, il faut la suite, j'imagine. Tout à fait. Bon bah Nini, vas-y. Sir Nicolas de Miss Ming, Ming Mixi, un truc comme ça, Mixi, je sais Mixi. Pas. Mixi. Mixi. Ah, il y a un truc de vrai. Ah, c'est trop long. De pont. Pont. Ça commence bien par un P. Je suis en train de rire, Harry Potter 1. De pont. Peuré. Pont. Plus beau. Alors la réponse c'était Sir Nicolas de Mimsy Porpington. Ah. Alors pour la troisième question, en quelle année est décédé Nick Cassis en tête? Oh non mais je... Oh, un troll dans les cachots. Je fais une proposition, 1592. Alors vous pouvez continuer, elle est pas loin. Parce que en fait pourquoi je vous pose cette question dans Harry Potter de qu'est-ce qui se passe? Mais oui, on a eu le... Il y a l'anniversaire de mort. Voilà, c'est son combien anniversaire de mort? Combien tième anniversaire de mort? 1593? Non, attends, donc, l'année d'Harry Potter 2, c'est quoi? 1992. Voilà, donc 1492. Bien joué. Moi je participe à ma défaite. Du coup, oui, c'est le 500e anniversaire de l'anniversaire de mort de Nick Cassis en tête. Toujours sur ce cher Nick Cassis en tête, pourquoi Nick Cassis en tête a été exécuté? Tout simplement. Pourquoi est-il mort? Mais je l'ai lu, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est une raison bidon, je crois, je sais plus. Parce qu'en plus, il est gentil. Il n'a pas tué des gens. Mais je crois que c'est pas précisé en plus dans les livres. Mais comment on le sait alors? Bah, sur Pottermore. Ah ouais, bah non, je l'ai pas lu. Ça s'appelle plus Pottermore maintenant. Un troll dans les cachots, il a volé quelque chose? Bien essayé, mais non. Du coup, il vivait à l'époque d'Henri VII. Il a voulu, il se surestimait en magie. Il a voulu embellir, comment on appelle ça, une des courtisanes, on va dire. Et en fait, il lui a lancé un sort et ça lui a fait pousser des défenses d'éléphant. Et du coup, il a été condamné à mort. Ah ouais? Et ils l'ont raté. Et ils l'ont raté. Et on arrive justement à la question suivante. Alors, combien de coups a-t-il reçu lors de son exécution? Un troll dans les cachots. 5. Plus. Un troll dans les cachots. 7. Plus. Un troll dans les cachots. 10. Plus. Un troll dans les cachots. 36. Plus. Un troll dans les cachots. 52. Moins. Un troll dans les cachots. 44. Plus. Un troll dans les cachots. 48. Moins. Un troll dans les cachots. 45. Oui. Oh mais non, oh. On peut pas faire une équipe en fait. Bien joué, donc 45 coups et il a même pas été décapité en fait. Pauvre Nick Cassis en tête. 45. Alors là je pense que ça va être une question beaucoup plus simple, donc soyez réactifs. Dans Harry Potter 3, où les élèves dorment-ils le soir d'Halloween? Un troll dans les cachots, la grande salle. Bravo, un point pour Brian. C'est bon. Donc là, il va pas falloir dire un troll dans les cachots. En fait, je vais vous demander de citer quelque chose chacun votre tour. Ah ouais. Jusqu'à mort subite, en fait. Oh là là. Ah non, donc, voilà. Pas, c'est mon cerveau, il bug. Donc, il n'y a pas le droit de répéter la même chose. Et c'est moi qui jugerai si c'est trop long ou pas. Ok. On va commencer par Brian. Et donc, c'est parti. Donc, chacun votre tour, citez un nom de fantôme. Nick Cassis en tête. Le baron sanglant. Le moine gras. La dame grise. Le baron. Bon, je crois que je me suis fail là. Allez, sur. J'allais dire Peeves, mais ça compte pas. C'est Virginie qui décide. Bah, j'allais dire pareil. J'allais le dire aussi. Vas-y, il y en a d'autres. Ça passe, il y en a d'autres. Harry Potter 2. Je lui donne un indice. Harry Potter 2. Mais je regarde. Voilà. Le professeur Binns. C'est vrai que c'est un fantôme.
Mais je l'ai pas. Je crois qu'on est, on a fait un peu le tour. Voilà. Et encore, et bon, elles ont été gentilles. Donc il y a un point pour Ryan. Alors je pense que là aussi ça va être une question de rapidité. Donc dans Harry Potter 1, il y a un chapitre qui s'appelle Halloween. Quel est le numéro de ce chapitre? Il y a un troll dans les cachots, 9. Non, un troll dans les cachots, 7. Non. Un troll dans les cachots, 10. Oui. C'était soit 9 ou soit 10 et je savais plus. Ça veut dire une chance sur 17. En fait, c'est le juste prix, en fait. C'est ça. On va repartir sur à chacun leur tour de citer quelque chose. Oh non. Donc là, je pense qu'il va y avoir plus de propositions. Donc on va commencer par Virginie. Alors, citez-moi des noms de friandises. Bertu Crochu. Les Choco-Grenouilles. Les Fizz-Wibbies. Les pâtes à citrouille. Les Suss-Acides. Les Yunopu. Les fondants au foudron. C'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est juste que je suis à mon max, là. Victoire à Virginie, je sais pas pourquoi. Il y a un jeu avec des bulles bulles. Non, c'est un jeu en fait, c'est pas du tout friandise. Mais il y a les bulles bulles par oui. contre. Oui, ah, je l'avais pas. Bon bah, un point pour Virginie. Mais c'est pas facile hein, comme exercice, la caméra, de donner plein de noms, hein, c'est pas simple. Dans Harry Potter 1, combien de points McGonagall retire-t-elle à Hermione pour avoir essayé de combattre le troll? Un point dans les cachots. C'est bon. 50? Non. Je confonds avec la fin. Combien de points elle retire? 50, c'est beaucoup. 15? Non. Un troll dans les cachots, 20? Non. Un troll dans les cachots, 10. Parti. Non. Vraiment, les un troll dans les cachots, 25. La vidéo. Un troll dans les cachots, 5. Oui. 5? Bon, là, t'es gentil. 5 points, ouais. Ouais, je comprends bien avec la fin. Elle donne 5 points à Harry et Ron, qui gagnent quand même 5 points. Parce que dans ma tête, j'entendais 20 points seront distribués à chacun, mais non, en fait, c'est 5. C'est plus cher payé, quand même. Ouais, pour avoir combattu un troll en première année, en plus. On va arriver à l'avant-dernière question. Et je pense que là, ça va être de la rapidité également. Donc, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, qui est retrouvé pétrifié le soir d'Halloween? Un troll dans les cachots, Colin Crivet? Non. Un troll dans les cachots, Justin Flynn Fletcher? Non plus. Un troll dans les cachots, Miss Teigne? Oui. Ah, c'est si tard que ça dans l'histoire? Ouais, 31 octobre. Mais c'est bien amené, parce que du coup, la Chambre des Secrets s'est amenée... Enfin, la Chambre des Secrets a été rouverte. Ah oui, ben oui, parce que je crois qu'il y a un délire comme quoi Harry, il assiste pas au banquet parce qu'il est en retenue avec Lockhart, un truc comme ça. J'ai plus, j'ai eu ça dans ma tête. Alors, donc, on va passer à la dernière question, et la question qu'ils adorent. Il va falloir une nouvelle fois citer chacun quelque chose. Cette fois-ci, c'est un mange-mort. À toi, Brian. Lucius Malfoy. Bellatrix. Que le père crabe. Enfin, le crabe. Fenrir Greyback. Le père Goyle. On va bien tous les papas. Drago Malfoy, ça marche? Ah bah ouais. De l'homme. Karkaroff, ça y était mange-mort. Oui, il était mange-mort. Le Rogue, du coup. Oui. McKellar. J'accorde le point à Brian. Et donc du coup, derrière la caméra, nous avons la petite Sirius Patmol qui va nous donner les résultats et nous dire qui a remporté ce quiz d'Halloween. Eh bien, c'est un parfait exemple. Aïe. Ils sont à égalité. Eh ben, je propose une nouvelle mort subite. Oh là là. Moi, je préfère la guerre en mort subite parce que là, j'en J'ai trouvé la question qui va les départager. Donc, ils vont faire à nouveau une mort subite. Donc là, il y aura forcément un gagnant. Donc, citez chacun votre tour un nom de sort dans Harry Potter. Voilà. Il y en a beaucoup et je me dis, ça peut... Voilà. Qui commence? Et d'ailleurs, juste avant, quel sort les élèves apprennent-ils dans Harry Potter 1, lors d'Halloween? Lors d'Halloween? Ouais. Le jour d'Halloween? Ouais, le jour d'Halloween. Avant qu'Hermione rentre dans les toilettes. Oui, Wingardium Leviosa. Voilà, c'est ça. Ah, c'était le même jour. On aurait pu poser ça comme question, j'aurais gagné. Non, c'est pas encore fait, non. Donc c'est à toi, Virginie. Ouais. Avada Kedavra. Donc ça commence. Wingardium Leviosa. Andoloris. Axio. Rictus Ambra. Levi Corpus.
Flipendo. Expecto Patronum. Allo, mon rat. Impedimenta. Petrificus Totalis. Secum Sempra. Immobilus. Pertotum Locomotor. Hominium Revelio. Sendio. Reparo. Periculum. Amplificatum. Protego. Reducto. C'est pas facile. Legilimens. Bombarda Maxima. Oubliette. Ouh. Expelliarmus, on l'avait dit. Je crois pas. Nox. Ça va jamais s'arrêter. Ascensio. Brachiamemendo. La Carnomine Flammarée. Libera Evanesca. Mais ça y est, oui. Serpent sortir. Ah, j'allais dire ça. Ridiculus. Et Vertestatine. Ah, abandonne. Là, c'est un duel au sommet, hein. J'ai jamais vu ça. Soleil qui est limogé, que c'est grand vilain à l'avance. Je l'accorde aussi. Aguamenti. Lâche la basque. Si tu peux fuir. Récure vite. Lumus solène. Ils sont pas mal là. Episki. Impero, on l'a pas dit. Mais je sais pas s'il existe, je sais pas si c'est dans ma tête, mais il y a pas petite aiguillette. Ah, je le sais sort pas. Là pour transformer une aiguille en allumette. Y a pas ça? Ou une allumette en aiguille. T'as te checké, ouais, parce que. Petite aiguillette. Tu vois que j'invente un truc. Là, on peut plus la ronde. Du poulet. Ah, j'avoue que j'ai. Non, je sais pas du tout, mais c'est possible. Mais ça, mais y'a le premier cours de métamorphose, ils ont vraiment transformé une aiguille en allumette. Bah, ce sort-là. Ouais, bah, c'est pas ça, dit, le sort. C'est pas petite aiguille. Il y en a un autre. Il y a aucun résultat quand je tape petite aiguillette Harry Potter sur Google. Bah, j'ai dit, tu peux le faire. Mais dans la métamorphose, il y en a un que j'avais pas dit. Enfin, 1, 2, 3, Ferraverto. Merci, Camélia. Pointe au nord. En fait, j'ai des sorts dans ma tête, mais ils disent pas de nom. C'est genre Dumbledore quand tu fais L'Oréal là. L'Oréal. Comme ça, c'est chaud et tout. J'ai pas le nom du sort. Bon, je crois qu'on a notre grand gagnant. Mais alors là, franchement, ils méritent tous les deux. Franchement, ils m'ont choqué. Moi, j'ai une proposition. J'ai rien à leur faire gagner dans la vidéo, mais j'ai un gage à donner à la perdante. Tu dois placer le sort petite aiguillette dans une de tes prochaines vidéos. Mais avec une petite mise en scène. Ouais, et puis genre sérieux, hein, genre. Voilà, pour ceux qui ont. Pour ceux qui ont passé vu cette vidéo, mais genre sérieux, genre ça passe crème. D'accord. Petite aiguillette. Bah, bravo à tous les deux, bravo à Brian qui remporte ce défi. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne YouTube, ça m'a fait très plaisir. Et merci aussi à Brian de nous accueillir chez lui dans son décor. Très beau d'ailleurs. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, ils ont tous les deux une chaîne YouTube Harry Potter. Je les mets en barre d'infos. Voilà, bah merci beaucoup. Merci à toi, c'était hyper sympa. C'était très stressant. Exactement, je suis très très chaud, je me sens très mal. Et puis bah du coup, je vous souhaite une très belle fête d'Halloween. A très bientôt, ciao.